Salut tout le monde, c'est Michael Blindform, bienvenue dans ce Rétro Pourri Gaming hors série numéro 1. À l'occasion de l'Euro 2016, j'avais envie de faire une petite compilation de jeux de football. On a choisi 3 jeux aléatoirement comme ça, alors on part tout de suite. Goal! Kick and run. Kiki sur les snarties, kiki mais qui. Nous sommes en 1986, c'est un jeu édité par Taito sur bande d'arcade. Ah moi je sens bien le graphisme fun ici. Hein. Eh PS4 PS4 stop error. Ok. Un PlayStation 4, enfin arrêtez tout de suite, c'est une erreur. Ils le disaient en 1986. Hein. Préférez la Xbox One ou un PC. Encore mieux un PC. Bande d'enculé, il y a même pas la France. Bah, prends. Eh, j'ai même pas le temps! Les bâtards! Bon, bah, je serai japonais aujourd'hui. Le Japon contre l'Argentine, apparemment, non? Waouh! Waouh! Waouh, le bruitage! Oh! Ouais! Ouais, tu veux. Non! Non, non, non! Il était où, mon gars? Ouais. Ils sont contents. Quand je suis content, je vomis. Et là, je suis hyper content. Poussez le gardien, mec. Bah, écoute. Oh, mais mon gardien, reviens. Wow. Oh, mais mon gardien, reviens. Bien dans mon équipe. La prochaine fois. Moi, vous m'avez beaucoup ému. Ah. C'est dans de la pureté de l'âme. Ok. Un cœur qui chante. Ferme ta gueule, Mika. Merci. Ouais, ok. Fais chier. Mais c'est quoi cette passe de. Eh, putain. Tiens. Tu disais que tu croyais qu'avec le gardien, c'était réactif. La punition. Vous êtes punis, bande d'enculés. Vous allez jouer comme des merdes. Vous allez jouer comme des merdes. Comment faire honneur à l'euro? Comment faire honneur à l'euro? Elle va perdre comme des merdes. On passe au deuxième jeu, messieurs dames. Super Sidekick 1992, sorti sur Neo Geo. En arcade, mais Neo Geo. Allez, c'est parti. Et où la France? Groupe B. Allez. On joue contre la Hollande. Allez. Allez. Oh les bâtards. Et toi tu connais le jeu grand. Tu vas te calmer l'Hollandais là. Le Hollandais volant. C'est ça votre Hollandais volant? Il n'est pas très impressionnant. Toi non plus. Surtout ne le sous-estime pas. Oh c'était beau. Ah mais putain. Allez. Celui-là j'aime pas. Bon allez on va essayer de pas se gourer de boutons ce coup-ci. On peut faire de la merde. Nope. Ouais. Mais c'est abusé, tiens, fou là! Menteur, comédien. Là. Mais ils sont où mes bonhommes? Il y a une d'appareil. Hé hey, les gars! Oui, pourquoi? Allez, voilà. Hop, hop, hop. On va vous farter les gars! Nope! Allez, bâtard! Pourquoi je parle? Tiens! Surprise, motherfucker! Ah, ça va, putain! Hop, ah, mais... sont contents hein, les Hollandais, yeah. Ah j'ai perdu, il y a même pas de mi-temps dans ce jeu là quoi, c'est de la merde. Et bah troisième jeu messieurs dames, c'est ça que ça veut dire. Super Visual Football, édité par Sega en 94 sur borne d'arcade. Nous prenons la France contre le Danemark. Un choix aléatoire hein, bien sûr. Je ne sais absolument pas jouer. Bon déjà, ça commence bien. Voilà. Moi je sors, je me casse la. Oh, elle est bouée, non? Ils sont. Ouais! Marque un but, mon enculé! Et voilà, égalisation! La 37ème minute! Ça fait 2 secondes! Tac-moi ça! Oh! Bon. 2-1, allez! Il repartit comme en 40! Ah, mi-temps. Ah, le vrai match, là, tu serais pourri, là, t'as même pas le temps de boire ta bière, mon gars. Oui, les gens ne comprennent pas la notion de temps, ce n'est pas ce que vous imaginez.
Les gens pensent que le temps est une simple progression de cause à effet. Mais en vérité, d'un point de vue non linéaire, d'un point de vue non subjectif, c'est plutôt une sorte d'énorme boule où le temps s'enchevêtre comme un méli-mélo. Très complexe. Oh, carnage! Carnage, quatre jambes cassées, là. Non. Oh, ça va! Sauvé. Allez, grand. Allez, vas-y. Time's up. Ça va, t'as eu le temps de boire ta bière? Non. Tire au but. Allez. C'est le chat de gargouille. Oh merde. Allez, arrête-le, monsieur. Bravo. La France a gagné, messieurs dames. Bonjour, je m'appelle Cindy de Supervisuel Football. Revoyons tout de suite en image les meilleurs buts de l'équipe de France lors de son dernier match. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Voilà, c'était le premier hors-série de Retro Pourri Gaming. Et on aura certainement d'autres qui arriveront par la suite. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un prochain RPG. En attendant, portez-vous bien. C'était Michael Blanford, en direct de Retro Pourri Gaming hors-série numéro 1. Allez, ciao !